pendant un goûter, le 13 janvier. Tout d'un coup, on a entendu, ma mère n'était pas là, ma mère était avec mon père, et on a entendu tout d'un coup la sonnette sonner, comme ça, sans interruption. Et je me souviens que ma sœur aînée s'est levée brusquement en renversant sa chaise. Moi, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave, mais je ne savais pas quoi. Et voilà, c'était que mon père était mort. Nous étions en train de goûter, et la femme de ménage ou quelqu'un vient dire à maman, appeler maman, donc on a compris que... Alors on s'est précipité pour aller chercher le curé, qui est venu. Alors le personnel était fou. L'enterrement, c'est très simple. Mireille et moi, les petites, nous ne sommes pas allées au cimetière. Nous sommes restées dans la fameuse salle d'études, je me souviens. Et je me souviens, puisqu'il y avait encore l'arbre de Noël, et je me souviens qu'on défaisait l'arbre de Noël. Il faisait un temps splendide ce jour-là. Un calme. Tout le village suivait bien sûr la charrette qui tirait le corbillard. Et le cimetière se trouve assez loin du village. Et il fallait toujours tourner avec un angle droit et prendre un tout petit chemin pour monter au cimetière. Et j'entendais les grincements des roues sur le sable et sur la route. Et à un moment donné, le corbillard s'est arrêté, la charrette s'est arrêtée. Et à ce moment-là, j'ai entendu dans le haut des arbres comme un souffle qui passait. Je n'ai jamais pu entendre depuis ce souffle dans le haut des arbres sans me souvenir de ce jour où j'avais l'impression que la vie reprenait. Mon nom est Maxime Prodromides. Je suis l'un des nombreux petits-fils de François-Joseph Fournier. Ma mère, Floria, était la dernière de ses filles. Elle avait 7 ans quand il est mort en 1935. Voilà la tombe de François-Joseph Fournier, mort en 1935, dont le buste a été ramené de Mexico en 1984. Et à côté, sa femme, Sylvia Fournier, née Johnston Lewis, qui à l'origine voulait être enterrée en pleine terre, sans pierre tombale sur elle, pour que son corps puisse nourrir la nature. Quand il est décédé, la femme de chambre qui rangeait ses costumes a trouvé dans sa poche une petite clé. Et cette petite clé, nous n'avons jamais su, ni ma mère, ni nous-mêmes, les filles d'enfants, n'avons jamais su ce qu'elle ouvrait. Elle a gardé tout son mystère. C'était dans les banques que mon père visitait, mais on n'a jamais su ce que cette petite clé ouvrait. Cette histoire est celle d'un homme, mon grand-père, dont je sais qu'il est né pauvre sur une péniche en Belgique. 40 ans plus tard, il découvre une mine d'or et d'argent au Mexique. Comme une revanche sur une vie antérieure, il possède une fortune qui désormais fera de lui un homme libre. C'est ce qui lui permet de concrétiser un grand rêve en 1912, quand il achète l'île de Porquerolles dans le sud de la France. Il est né en 1857 et moi en 1965. Je dis mon grand-père. Mais lui et moi appartenons à deux mondes si éloignés dans le temps. Ce que je sais de lui ne fait pas, du moins pas encore, un tout. Il y a sans doute des voyages qu'il faut revivre pour que je puisse réellement dire un jour, c'était mon grand-père. Je suis parti sur les traces de ce Fournier-là, l'aventurier, le risque tout, débarquant au Mexique à 30 ans. L'homme est alors à la charnière entre deux mondes, la vieille Europe dont il vient, et les espaces vierges immenses de ce Mexique à construire où il va. C'est ici qu'il s'arrête, dans la région d'El Oro, au nord-ouest de la ville de Mexico, au pied de la montagne Somera. Ici qu'il trouve sa mine en 1895, qui deviendra l'une des plus prospères du pays. Il l'exploite pendant une dizaine d'années. Estamos en las hermosas montañas de Michoacán.
en una mina que se llama Las Dos Estrellas, a 2.618 metros de altura y a 160 kilómetros de la Ciudad de México. Esta mina famosísima por el oro y la tecnología que usó a principios del siglo XX fue descubierta e impulsada por un aventurero de los más exitosos del siglo XX, François Fournier, un belga que llegó a ser ciudadano francés y en este lugar implantó la tecnología para toda América. Esta mina llegó a tener 5.000 trabajadores, se hicieron exploraciones por más de 200 kilómetros y de profundidad llegó a los 610 metros desde la parte alta del cerro a la profundidad donde se extrajo el oro. Básicamente la producción fue de oro con poca cantidades de plata y materiales muy limpios que permitió a Fournier enriquecerse por el gran trato que hizo también con las finanzas y la inversión de esta mina. J'avais besoin de comprendre le contexte, j'avais besoin de comprendre le Mexique de cette époque, comment concrètement cette aventure avait pu se réaliser. Je suis allé à Mexico, où j'ai demandé à rencontrer un historien. Fournier llegó en el buen momento y en el buen lugar. En el buen momento es en el México de fines del 19, principios del 20, en donde se abre al mundo con una seguridad, el crédito está arreglado en el exterior. Llega en el momento en donde el dinero va a caer en México y en México está gobernado sólidamente por un Porfirio Díaz que ya en el momento ya es un viejo, pero que tiene una élite de financieros dirigida por el ministro de Finanzas, José Yves Limantour, y animada por un grupo de gente que van a ligarse a financieros franceses, a empresarios ingleses, a empresarios alemanes para frenar los norteamericanos. Aprecio el increíble trabajo que hizo François Fournier, que era un hombre excepcional en su tenacidad, terco como, no sé, como un francés pobre que buscaba la riqueza. Y llegó a un lugar que era el lugar de su destino, esta región de Tlalpujahua, que es una región minera desde 1540. Fournier tuvo muchas facilidades para obtener sus concesiones por el tipo de régimen que existía en las concesiones, tanto agrícolas como mineras. Las concesiones mineras se van a ampliar, ya no es necesario detenerse en el límite de terrenos, ni tampoco en el número de concesiones mineras que tenga un individuo. El pretexto es una política muy liberal que tiene en cuenta que para explotar una mina se requiere de mucho capital y por lo tanto mucha seguridad en la propiedad porque la veta puede salir en cualquier parte. De temps en temps, j'ai le sentiment qu'il puise son énergie dans la quête elle-même, dans cette liberté de chercher, s'aventurer toujours plus loin, là où peut-être les autres ont baissé les bras, ont rebroussé chemin. Alors trouver quoi? De l'or? Pourquoi pas? Dans la mine, c'est le conservateur qui m'a guidé. Ses explications étaient précises, très techniques. Mais au fond de moi-même, plus que le bruit des pioches, j'entendais la rumeur intérieure de Fournier. Je me demandais combien de fois l'homme avait douté. Comment garder espoir pendant 5 ans face à une paroi de pierre? Avant que l'histoire ne soit écrite, comment savoir s'il y aura une histoire? Ándale, Cruz, oye, Cruz, ¿eso por qué quedó así? Quedó así porque, digamos, le seguimos, yo no voy a arreglar, le seguimos.
pero vemos que no hay nada. Entonces hay que abrirle más adelante, ya. Y si vemos que no hay, porque es un cuarto, no tiene nada. Le seguimos adelante, le seguimos de frente. Cuando se encuentra una veta hay que seguirla. Tiene que hacerse la perforación y hacer los análisis de si tiene valores, de si es costeable o no es costeable, de si hay gente, etc. En este caso, esta veta se abandonó ahí porque mostró que no tenía ningún valor en oro, sino solamente la piedra. Este es un tiro, pero este tiro va de arrastre. Se llama un chiflón, este es para la ventilación. Porque allá, de aquel lado, allá este, hay el vapor, mira el vapor. Y ya con esto ya no hay vapor, porque entra la ventilación. Querían ellos seguir hacia adelante, y así fue como llegó a la veta verde a los 620 metros de distancia. Aquí encontraron también otro túnel, y este que lo siguieron por 200, 250 metros. Sí. Vamos a ver qué vemos acá. Sí, aquí se nota la veta ya muy clara, ancha, de metro y tantos. Sí. Aquí estamos llegando al final. No se caminó más de aquí, porque al mismo tiempo que llegaban aquí sin encontrar nada y perdieron 3 meses de tiempo, perdieron trabajadores, maquinaria, no encontraron nada. Y al mismo tiempo se empezaba a encontrar la veta verde por el otro socavón que vamos a seguir después, la que dio la gran bonanza. No una veta de un metro, sino de 60 metros de ancho. Pero hasta aquí está, hasta aquí llegó. Il y a une vingtaine d'années, ma mère a ressenti le besoin de descendre elle aussi dans cette mine. Retour aux sources ou quête d'un père qu'elle a finalement peu connu. Nous avons fait toute la visite de la mine et puis à un moment, il s'appuie contre un mur comme ça. Il m'a dit, mais votre père, de toute façon, je le vois. Et moi, comme une idiote, la seule chose que je trouve à lui répondre, j'ai dit, ah bon, et vous le voyez quand? Ah, quand le travail marche bien. Alors ça, c'était tellement... Je retrouvais mon père à travers ma sœur aînée, enfin, etc. Il fallait que le travail marche bien. Et à ce moment-là, il apparaissait. Alors il apparaissait. Et oui, oui, celui, il s'était évanoui la première fois qu'il l'a vu, il s'est évanoui. Mais moi, n'est-ce pas, je lui ai parlé. Je lui dis, il vous parle? Oui, oui, il me parle. Il me parle. Et puis il m'emmène dans un hangar qui s'appelait évidemment le hangar numéro 13. Et il m'a dit, ben, c'est là que je le vois. En la mina en ese tiempo se trabajaba pura marro, cuña, pico y pala. Después ya entraron las máquinas, compresoras, para perforar, porque se tronaba con dinamita. Entonces había que perforar para meter la dinamita y explotar para que saliera el ataque. Había desde luego muy buenos perforistas porque el señor Fournier se supone que sabía bastante de mineral porque todo estaba muy organizado adentro. No se tragaba que se cayera allá, se cayera acá, sino sacaba el puro, lo que estaba planeado sacar. La condición era de 18 años de edad para entrar a la mina, pero se entraba de alguna manera porque no era tan delicado, ¿no? Se entraba por alguna recomendación o, y la edad no valía. Nomás viera que usted era movido, si no para afuera. Y la cosa de aquí del taller, que estos eran los talleres, pues el movimiento, los fierros y todo eso, pues la gente tranquila trabajaba muy a gusto. El ruido que usted dice era muy tranquilo, era normal de un taller. El taller mecánico se trabajaba con un motor de 20 caballos
28 máquinas que se maquinaban las piezas que salían de acá de la fundición de fierro gris para el trabajo del señor Fournier en sus tiempos. En esta mina se usaban muchas piezas que cuando se quebraban, aquí las hacían. Había modelista para hacerlas en modelos de madera y pasar al taller de fundición y después aquí al taller de mecánico y de aquí se iban a dar a su servicio. Fabricaban engranes, poleas, bueno, todo lo que estaba aquí que se necesitaba en este trabajo, todo se hacía aquí. Fournier tiene la gran idea de hacer sus talleres de producción y mantenimiento en este lugar. Y ese fue su éxito. Haciendo su propia maquinaria y enseñando a la gente a hacerla, ni gastó pagando tanto a las grandes empresas y tenía todo aquí a la mano. Eso fue muy importante. Aquí se hacía todo. Y era lo que le dio el auge a esta mina. El señor Fournier fue muy estimado aquí en ese tiempo porque era una persona pues, muy capaz, en primer lugar, para trabajar. En segundo, le dio vida a la región porque la región era muy pobre. Y llegando él, la cosa cambió económicamente. Hasta la fecha ahorita todavía la gente lo recuerda. El mineral estuvo por él y que estuvimos una época en la región muy buena gracias a él. Hubo mucho trabajo de distintas partes, no solo de aquí de la región. Hubo de Guanajuato, de Hidalgo, de Michoacán, de muy abajo. Él les hizo campamentos, acá uno arriba, otro más para allá, grandes, para todo el personal. No he comentado que la minería es terriblemente peligrosa y que había atención para los que se lesionaban y que era grandísimo el número de los que se lesionaban al mes. De 5.000 trabajadores se llegaron a lesionar mensualmente 120 trabajadores, 1910. Por 12 son 1.500 trabajadores con heridas, con problemas de enfermedad. Él puso el hospital ahí arriba, por toda la gente que está enferma. Je passe devant un bâtiment et je lui dis qu'est-ce que c'est ça? Ah, il me dit ça c'est la prison. Oh, je lui dis oh zut, alors il mettait des gens en prison. Mais non, c'est pas votre père, regardez tout ce qu'il a fait, regardez l'école, regardez. Là c'était l'infirmerie, là c'était l'hôpital. Tout ça c'est ce que votre père qu'il a fait. Que haciendo cálculos podemos darnos cuenta que se extrajo de esta montaña una barra de 14 metros de largo por 5 metros de alto y 4 de ancho. Y de plata, pues 5 veces más que eso. Una casa completa rellena de plata. Fournier entonces representa el que triunfa en el momento cuando llega la crisis. Y representa también el que prevé que viene la crisis. Saca mucho dinero de un momento de mucho crecimiento económico, pero un crecimiento económico en donde efectivamente hay mucha explotación. Él, como era una persona tan capaz, como había tenido la experiencia de que cuando principió la mina tuvo socios con el interés de hacer la mina, pero cuando vieron que no era negocio, se le fueron todos y lo dejaron solo. Entonces él cuando logró que el negocio surgiera y estuviera en plena bonanza, y él con su capacidad de inteligencia de gente de negocios, vio que el negocio iba ya bajando la calidad del oro, del metal, poco oro. Entonces dijo, mejor vendo las acciones y me voy a invertir otro negocio de otro lado donde pueda ser efectiva la cosa. Tiene una visión moderna. Hacer dinero lo más rápido posible y lo más grande posible. Y en procedimientos legales, perfectamente legales. Pero moralmente, vender una acción 2.000 veces lo que cuesta, son los especuladores modernos, grandes financieros. Podríamos decir que en ese sentido él era un pionero, o fue un pionero, o muestra un camino de pionero
en tener un éxito en la especulación de venta de valores. François Joseph, le découvreur de mines, le bâtisseur, l'organisateur est riche. Maintenant, il peut tout se permettre. Mais que faire vraiment de cette liberté-là? Qu'en pense l'homme, l'intime, le secret? S'arrête-t-il quelquefois pour faire le bilan? Quelles sont les blessures qu'il répare, les revanches qu'il cherche à prendre sur la vie? Peut-être a-t-il voulu cette mine pour oublier celle de charbon qui l'ont vu naître. Mon père est né à Clabecq, en Belgique. Son père était batelier sur les canaux. Mais étant la discrétion de mon père sur son passé, sur la Belgique et tout ça, il n'a jamais voulu en dire plus. Il ne voulait pas en parler, on a toujours respecté ça. Il disait qu'il avait une sœur et un frère. Ma mère et ma sœur aînée ont demandé au notaire, mais il faudrait peut-être chercher du côté. Non, M. Fournier a fait tout ce qu'il fallait pour sa famille. Je sais que François-Joseph Fournier est né sur une péniche à Clabecq, sur le canal Bruxelles-Charleroi, le 6 décembre 1857. En Belgique, c'est le jour de la Saint-Nicolas, la fête des enfants. Mais pour la famille Fournier, les temps ne sont pas à la fête. La vie est dure sur la péniche. Pourtant, François-Joseph va à l'école, encouragé par son instituteur. C'est le seul de la famille qui saura lire et écrire. Suite à un accident, la péniche coule près d'Anvers et la famille va s'échouer sur les quais du port de Bruxelles au déchargement des cargaisons de péniches. C'est à Lier, en Flandre, où il travaille à la manœuvre des ponts tournants, que son père meurt, usé par le travail. À 16 ans, François-Joseph Fournier se retrouve soutien de famille. Où puise-t-il son énergie? Quelle est la clé de cette vitalité infatigable, toujours en mouvement? La clé d'un songe? La clé des champs? À 19 ans, il quitte la Belgique, à pied, et part à Paris. Vous savez qu'il est arrivé à pied à Paris. Avec sa petite mallette. Déjà, il avait une petite mallette de mécanicien, je ne sais pas. Mais enfin, donc, il se louait dans les fermes pour continuer. Donc, il avait déjà un certain savoir. C'était aussi l'époque, il faut se remettre à l'époque, c'était l'époque où la science était reine, la science c'était le progrès. Il a appliqué tout ce qu'il a appris à Paris, soit en étant le laborantin de Chevreul, et aussi aux arts et métiers où il était assistant libre, enfin je crois que ça se fait toujours d'ailleurs. Je crois qu'il a appris beaucoup de choses là-bas. Et il est arrivé avec un savoir d'ingénieur, il n'avait pas le titre. Avec la boulimie des autodidactes, François-Joseph lit tout ce qui passe à portée de sa main, dévorant ses livres et publications scientifiques en plein essor, au nom du progrès de l'humanité et d'un seul credo, la foi en la modernité. Mais il a peu de travail, peu d'argent, les temps sont difficiles. Lors d'une conférence aux arts et métiers, il fait la connaissance de l'ingénieur Bourdon, l'inventeur du manomètre à pression. Grâce à lui, il trouve un emploi dans une des usines de la famille. Il travaille sur les circuits à pression des locomotives à vapeur, sa passion. Il a 26 ans quand sa mère décède. Plus rien ne le retient sur le vieux continent. « Go West !» lui conseille Bourdon, pressentant que c'est là-bas que se révéleront désormais les nouveaux défis technologiques. Je peux dire, si vous voulez, qu'au fond, mon père, il fallait qu'il fasse toujours quelque chose, qu'il soit toujours occupé. Il est parti au Canada pour faire la ligne de chemin de fer qui traverse tout le Canada. Et il fallait absolument finir parce que l'inauguration allait avoir lieu. Avec la reine d'Angleterre. Et il fallait se dépêcher. Et il y avait des traverses en métal qui avaient été commandées et qui n'arrivaient pas, avec le système Eiffel. Il fallait construire un pont, absolument, parce qu'il y avait un grand ravin dans cette cordillère du Nord, et il fallait absolument franchir ce canyon pour l'inauguration. Alors, il a choisi un Indien, qui était très fort pour ça, descendu et remonté,
avec un cordage léger. Et à partir de ce cordage, on a renvoyé du matériau de l'autre côté. Et il a fini par construire un pont avec des traverses en bois, mais avec le système Eiffel quand même, c'est-à-dire visser chaque encroisillon comme ça. Ce qui fait que le train a pu passer, tout le monde avait évidemment la trouille, mais ce pont en bois a marché quand même. Quand il était au Canada, il couchait dans les wagons avec tout le monde. Et un jour, il y avait le souffle. Il a reçu un souffle, c'était un ours. Alors il a repoussé avec le pied, l'ours a culbuté comme ça, et il a essayé de le canarder, et puis il l'a raté. Et quand ça a été terminé, il est parti sur le canal de Panama. Ça fait 4 ans maintenant que François-Joseph Fournier a quitté Paris. Il débarque à Panama, tout auréolé de ses succès canadiens, mais très vite l'enthousiasme retombe. Il n'est qu'un ouvrier parmi d'autres aux yeux des Français qui le reçoivent. Le chantier est en pleine débâcle. Le responsable des travaux vient de mourir de la fièvre jaune. Lui aussi tombe malade, victime du vomito negro. Mais il est guéri par des Indiens. François-Joseph quitte Panama un an plus tard et poursuit sa route vers San Francisco en passant par le Cap Horn. Ce qui est encore à l'époque un véritable exploit, contre les vents dominants, puis contre les calmes infernaux de la côte pacifique, où tant de navires se sont perdus, accablés par la famine et les mutineries. La ville de San Francisco le séduit beaucoup. C'est là qu'il est engagé comme prospecteur minier pour le Nevada. Puis c'est le grand départ pour le Mexique, en pleine révolution industrielle et scientifique. François-Joseph Fournier ruse avec ses nationalités. Il est devenu américain, mais les Américains trop présents sont mal vus au Mexique. Alors il fait jouer la carte française pour se lier avec les membres du gouvernement. Et c'est grâce à eux qu'il part arpenter d'immenses territoires, le Tabasco et le Chiapas, où il reviendra plus tard. Mais c'est dans ces montagnes du Michoacán, en suivant le lit d'une rivière, qu'il découvre sa mine Las Dos Estrellas, les deux étoiles. Dix ans plus tard, François-Joseph aurait pu s'en tenir là. Mais non, il lui faut d'autres espaces à conquérir, d'autres terres à coloniser. Alors les profits de la mine lui permettent d'élargir encore son rêve en recoupant ses propres traces. À 50 ans, il se relance dans une autre aventure intense, délaissant les vents froids du Michoacán pour les moiteurs du golfe du Mexique, la montagne pour les tropiques. Il obtient des concessions sur ces territoires qu'il avait arpentés pendant des mois lors de son arrivée au Mexique. Vaste entreprise. Il veut développer et exploiter 300 000 hectares de terres agricoles et de forêts dans le sud du Mexique, non loin du Guatemala. Un territoire plus grand que le Grand-Duché du Luxembourg. Et son domaine, scindé en deux territoires, prend le nom de Colonizadora du Tabasco et du Chiapas. François-Joseph Fournier diversifie ses activités. En plus de la prospection pétrolière au bord du golfe du Mexique, il organise les plantations de canne à sucre, la culture des ananas et des agrumes, il fait élever du bétail. Il invente, dessine et fait construire un nouveau modèle de bateau pour circuler facilement sur les rios et les lacs. Toutes ces terres sont reliées par voies d'eau et chemins de fer, et tout converge vers le golfe, d'où sont expédiées les marchandises vers les États-Unis. Au bord du lac Rosario, François-Joseph fait construire une raffinerie de canne à sucre. Platicaba al Senado, mi abuelo, no le digo que había gente de donde quiera trabajando, es que era una empresa grande pues que había, que tenía. Y pagaba, pues le digo que unos 50 les pagaba decido en oro. Porque pues ya en ese tiempo fue ya usted que fue en el 1905, de ahí para acá fue que ya empezó a trabajar.
que venía, hubo gente en cantidad, pues, han de haber sido unas 10.000 personas, porque donde tenían trabajando allá los lotes, eso de allá donde estamos ahorita, y acá había un poblado que hicieron zarado ellos, pues. Platicaba al final mi abuelo y todo esto, pues eran purititos cañales. ¿Cuánta gente? Cuando menos 10.000 gente había tenido. Bueno, vino la revolución y terminó todo. Nomás que dejaron todo esto aquí, era puritito fierro que dejaron, pues esas ruedonas que están ahí, esas existían aquí. Todas estaban, quedaron botadas. Nomás que lo que pasó que ya la gente que entraron esos comprafierros empezaron a vender. Pues. Y todo esto, muros que habían, la gente le empezó a sacar ladrillo. Mais alors que son projet prend forme, que la colonisadora est en pleine expansion, le destin, une fois de plus, va modifier les cartes. Ce qu'il avait tenté à la colonisadora, qui était à la fois trop gigantesque, trop coûteux, ça a été coûté une fortune. Enfin, il y a trois quarts de sa fortune qui s'est engouffrée dans la colonisadora. Et puis il y a eu la révolution. La révolution éclate au Mexique. Les terres sont confisquées. François-Joseph Fournier est contraint de rentrer en Europe. Il a bien sûr perdu beaucoup d'argent dans l'aventure et en garde le goût amer d'une entreprise avortée. Et sans doute bien conseillé, il avait pris soin de placer une partie de ses fonds dans des banques européennes ou américaines. Il a donc le loisir de rebondir, de relancer son énergie à l'assaut d'un nouveau défi. La première chose qu'il a achetée en France, c'est une île dans la Marne pour pouvoir aller pêcher. Et dans laquelle il y avait une petite cabane, parce que comme elle était inondable, il y avait une petite cabane dans les arbres. Et alors de là, il a acheté la propriété de la Doultre, le château, avec deux fermes, et à ce moment-là, c'était 300 hectares. Et il est arrivé à racheter d'autres fermes, à racheter toutes les petites parcelles qu'il pouvait, pour refaire un ensemble, et il est arrivé à 600 hectares. Je suis persuadée que la première femme a été une compagne, c'était vraiment sa compagne. Je pense qu'il a parlé de Claudine à ma sœur aînée, Claudine qui a été sa femme au Mexique. Sa femme qui l'a aidée, qui l'a connue quand rien, il n'y avait rien. Rien ne se passait à ce moment-là, enfin, c'est tout à fait au début, qui l'a accompagné pendant toute la croissance des Estrellas, sur toutes les crises des Estrellas. C'est elle qui est allée à Paris voir le Crédit Lyonnais pour avoir des fonds supplémentaires pour pouvoir créer la seconde société et acheter du matériel suffisant pour percer cette fameuse couche d'andésite sous laquelle était l'or. Et ça a été vraiment sa femme. Malheureusement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça a été le grand regret de sa vie. Je crois que Mathilde, il préférait mettre un des voiles là, qui sont sur le plafond de la Doultre. Il laissait le voile plus épais qu'il ne l'est sur l'académie de cette dame. On nous a caché pendant très très longtemps qu'il s'était remarié. Et d'ailleurs, dans cette propriété de laine, il y avait du linge qui était marqué au nom de son ex-femme. Et on se posait des questions parce qu'on ne comprenait pas les lettres. Il avait été marié deux fois et il se trouvait à Nice où il a été souffrant. Il a appelé un médecin et il a raconté à ce médecin qu'il s'était déjà marié, qu'il n'avait pas eu d'enfant alors qu'il avait fait une très grosse fortune et qu'il voulait avoir des enfants. Et ce médecin qui est devenu mon oncle lui a dit « Mais moi j'ai une sœur qui est très sympathique. » Et ils se sont rencontrés. Et en revenant de voyage de noces, ils se sont mariés. Et en revenant de voyage de noces, ils sont passés par hier. Ils ont vu qu'il y avait une île à vendre. Et ils se sont dit ben, « Pourquoi pas aller voir ?» La fameuse histoire de mes parents venant visiter l'île et montant sur... on dit que c'était le sémaphore, mais c'était pas le sémaphore, c'était la colline au-dessus du cimetière. Et mon père se tournant vers ma mère en lui montrant l'île et lui disant « La veux-tu ?» Ils ont traversé la place et je pense que, d'après ce que j'ai su plus tard, cette place avait une allure très mexicaine.
cette place de Porquerolles, qui est très grande pour un petit village comme c'est, qui est entouré d'eucalyptus, a dû beaucoup plaire à mon père. Ma mère, elle, a été séduite aussi par Porquerolles et ils ont fini par acheter cette île. Ça lui rappelait tellement le Mexique. Et puis il a essayé de faire quelque chose ici. Il avait certainement son idée déjà. L'exploitation, de voir quelque chose qui avait été commencé et qui n'était pas fini, ça devait certainement le rendre malade. C'était un homme extrêmement doux, extrêmement simple, extrêmement humain et qui n'élevait jamais la voix. Je ne l'ai jamais entendu élever la voix pour un enfant ou pour un autre. Il n'était pas très grand, il était normal, d'une taille de normal. Il était toujours très fier et très soigneux de sa moustache. Il n'était ni maigre ni gros, ni il était d'une corpulence normale, mais toujours calme. C'est quelqu'un d'extrêmement réservé, qui avait une puissance. Lorsqu'il entrait quelque part, on sentait que c'était quelqu'un. Il parlait très peu, il observait. Il observait, il jugeait. Malheureusement, quelquefois, il a mal jugé certaines personnes, mais il faisait confiance. Tant qu'il faisait confiance, si ça n'allait pas, c'était fini après. Alors, il observait, il étudiait, s'il décidait d'y aller, il allait droit. Ma mère est née de père anglais, de mère française. Alors elle avait évidemment ses inconvénients, c'est d'avoir un caractère très explosif, très. On disait qu'elle avait été. Parce que mon grand-père était vulcanologue, médecin et vulcanologue, ils habitaient Naples, ma mère est née à Naples. Et on disait toujours que ma mère avait été conçue sur le Vésuve, ce qui expliquait son caractère explosif. Voilà. C'était une très belle femme, qui avait beaucoup d'allure, qui avait beaucoup de caractère, qui n'était pas toujours très commode, mais qui avait le sens de l'humour, elle avait beaucoup le sens de l'humour. Oh, elle était forte, elle. C'était une gendarme. Ouais. Elle marchait, elle, et fumait le cigare comme ça. On a dit beaucoup de choses sur la relation entre ma mère et mon père qui étaient complètement idiotes, parce que c'était vraiment un couple qui se complétait. Et souvent, papa disait quelque chose à maman, « Tu vas aller voir quelque chose à cet endroit-là ?» Bon, ben, elle y allait. Bon, il se complétait pour d'autres choses, si vous voulez, mais... C'est évidemment papa qui décidait tout, qui organisait tout. Mais il y avait une très, très grande collaboration entre les deux. Une collaboration et complémentarité. Quand Fournier est arrivé, l'île avait été ravagée par un incendie 15 ans auparavant. Donc, quand il arrive, on ne peut pas dire que c'est un désert, mais c'est un peu comme un paradis en friche. Donc il a à faire face à une situation d'une nature qui est virtuellement très belle à mettre en culture, mais qui pour l'instant ne tient pas ses promesses. Et il va mettre ça en culture d'une part avec des vignes, d'autre part avec des agrumes, des tas de plantations, et il va aussi faire en sorte, à la lumière de ce qu'il sait de l'incendie qui a précédé, il va faire en sorte d'éviter qu'un nouvel incendie puisse ravager ses cultures. À la mine, il n'y avait pas besoin de lutter contre l'incendie. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que l'État français a découvert il y a 15 ans, je crois que c'est une découverte merveilleuse, c'est que pour éviter de brûler, il vaut mieux cultiver. Mon papa l'a fait en 1916. Et il a fait beaucoup les routes. Les routes étaient en bien meilleur état que maintenant, parce qu'ils savaient très bien diriger les eaux de ruissellement. Et de la sorte, en quelques années, très rapidement, l'île va prendre une sorte de vitesse de croisière. On a l'impression qu'il avait, je ne dis pas planifié, mais visualisé ce qu'il allait faire de cette île de façon à la fois très calculée et en même temps spontanée. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que son expérience mexicaine, notamment dans le Tabasco, autour du lac Rosario, ait été transférée ici.
Moi, je pense même que c'est une traduction, une translation, un changement de repère entre le Mexique et Porquerolles. Et que sans doute, sans le Mexique et sans ce qu'il avait appris au Mexique, il n'aurait pas pu si vite mettre en culture Porquerolles et avec une telle ampleur et même un tel succès. Chercher des familles pour venir travailler. Et c'est là que mes parents, j'habitais Toulon. Mes parents sont venus. Alors ici, la Little Italy de Porquerolles, il y a toutes les familles italiennes qui sont venues à l'époque de Fournier, comme les Bornia, les Mazella. Les Mazella qui étaient de Ponza, une île dans le sud de l'Italie. Les Canessa qui venaient de Gênes, eux, donc plus au nord. Monacci, qui venait aussi de Ponza, avec les Chiappi, Stagnari, et tous ces noms de consonance italienne qui sont venus à l'époque de François-Joseph Fournier pour travailler sur l'île, ont constitué une communauté auquel se mêlaient aussi quelques Espagnols, comme les Sanchez, ce qui a fait de Porquerolles une sorte de petite Babel méditerranéenne, où cette communauté vivait en harmonie avec les Provençaux qui étaient déjà installés avant l'arrivée de Fournier ici. Il fallait aussi tous les corps de métier parce que c'était plus difficile de faire venir les choses du continent qu'à l'époque, que maintenant. Donc il y avait tous les corps de métier, aussi bien la forge que le menuisier, que le tonnelier, que le bourrelier pour les chevaux parce qu'il y avait beaucoup de harnais, il n'y avait pas encore les tracteurs. Il passait régulièrement chez tous les artisans, voir comment ils travaillaient et il écoutait le son du fer. Il regardait ce son du Canada et il écoutait pour savoir si le fer était quoi. Je ne sais pas dire, peut-être trop chaud ou qu'il avait un défaut ou quelque chose. Il avait l'œil et l'oreille aux aguets partout. Quand on le voyait sur le balcon au château, ah, on a dit « Monsieur Fournier, aujourd'hui, il vient nous voir à l'usine ». Et alors, à 11h, il commençait à venir à l'usine, il venait, et il regardait, il nous faisait parler, quoi. Là-bas, un jour, il vient, là-bas, on était en train de réparer. Alors, il fait au contremaître, à Vialard, « Faites-moi passer un marteau. » Alors, il fait passer un marteau, et il a tapé sur l'arbre. Alors, il fait « Eh, Vialard, vous savez, il faisait... » C'est pas de la bonne mécanique, ça. Il a organisé tout le village. Il a, par exemple, monté une coopérative. Il a fait venir aussi un médecin, parce que quand il est arrivé, c'était le curé qui faisait les soins et qui accouchait les femmes. Ma mère aussi a fait venir des religieuses pour s'occuper des enfants qui n'étaient pas à l'école, pendant que les femmes étaient, elles, dans les vignes ou en train de travailler dans les champs. Il y avait des sœurs, aux sœurs là, que maintenant on appelle la Villa du Commandant. Mais moi, à Porquerolles, je l'appelle toujours les sœurs. Quand on sortait de l'école, on allait là. Parce que nos parents travaillaient et les sœurs nous gardaient jusqu'à 11h. On me dit que c'est du paternalisme, mais non, c'est pas du paternalisme, c'était un vrai sens social qu'il a eu à la mine, qu'il voulait avoir à la Conisador, et ça il n'a pas eu le temps de le faire, mais enfin les structures étaient là, et qu'il a réalisé à Porquerolles, la coopérative où on pouvait acheter les denrées au prix coûtant, le magasin où on entassait absolument tout ce qui était nécessaire, non seulement à la ferme mais aussi aux gens, etc. Il avait créé une espèce de système de sécurité sociale qui a été après transmis à la MSA quand la MSA est arrivée. Il y avait tout ce côté social qui venait de son enfance à lui, la modestie de son extraction et de ses problèmes qu'il a eus quand il était très jeune, des petits, qu'il a su transmettre là. La sécurité dans le travail aussi, ça c'est très important. Et je sais que c'était comme ça aussi à la mine.
À l'âge de 10 ans, ma mère m'a levé. Elle m'a dit, j'étais l'aîné de trois. Et elle m'a dit, tu sais, il faut aller travailler. Alors j'ai quitté l'école et je suis venu travailler au domaine. Alors j'ai commencé avec les femmes, à la campagne, à arracher l'herbe, ramasser les serments, faire la vendange, tout ça. Et puis alors après j'ai grandi. On m'a mis travailler avec le plombier. Alors là j'ai encore grandi. On m'a mis à, on m'a envoyé à l'usine travailler à l'électrique. Et j'ai toujours resté là. Voilà une photo de la maison où nous habitions. Ici, en face, se trouvait le bureau du régisseur, la laiterie, l'étable, l'écurie où il y avait une vingtaine de chevaux parce qu'il n'y avait pas encore les tracteurs, la distillerie, et en face se trouvait la maison, ce qu'on appelait la maison tremblante, et où il y avait tous les corps de métier. C'était dans un endroit qui s'appelait la maison tremblante, la forge. Le bruit de fond, c'était la forge. Et au-dessus de tout ça, il y avait les bruits de charrettes, il y avait les bruits de... Pendant les vendanges, il y avait beaucoup d'agitation, forcément. Il y avait les tombereaux qui arrivaient, tombereaux traînés par des chevaux. C'était comme un orchestre. On entendait le bruit du marteau sur l'enclume, on entendait le chant des vendangeurs qui partaient dans les champs. C'était très vivant. La famille s'est vite agrandie. Il y a eu 6 filles et un garçon. Donc il fallait tout le personnel qui allait avec, nurse, institutrice, puisque nous n'allions pas à l'école, et des professeurs de langue et de piano, parce que ma mère voulait avoir que nous ayons une instruction très complète. Nous n'étions pas des enfants de riches. Nous avions de la richesse, mais nous n'étions pas des enfants de riches. La journée, c'était le petit déjeuner à la nurserie, avec Nana. Papa venait nous voir. Il y avait une porte de communication, d'ailleurs, entre la nurserie et son bureau. Alors ça, c'était la porte où il apparaissait, ça. Après le petit déjeuner, nous allions chez voir nos parents, dans la chambre des parents. Alors ça, c'était la grande joie aussi. Bien que la vie soit très, très organisée, mais enfin, comme j'étais petite à ce moment-là, bon, c'était déjà l'époque des institutrices et je commençais déjà à lire et à écrire. Mais je crois que j'étais peut-être plus libre avec eux que les aînés, finalement. Et puis après, à 9h, allez, on va travailler. Donc, et puis l'après-midi, la même chose. Mais nous déjeunions à table, bien entendu. Nous déjeunions avec nos parents. Les enfants petits, jusqu'à 13 ans, n'avaient pas le droit de parler. À cette époque-là, les enfants ne parlaient pas tellement à table, mais ils écoutaient. Alors, on comprenait ou on ne comprenait pas, bien sûr. Après, nous allions faire la sieste, ou plus ou moins la sieste, dans le jardin, quand il faisait beau, sinon dans notre chambre. La sieste ou pas la sieste, la promenade, le goûter où aussi toute la famille était là. Donc, il y avait les parents. Papa ne venait pas chaque fois, mais souvent. Les parents, la nurse, l'institutrice, la secrétaire, les 7 enfants. Et nous, nous allions faire des grandes balades dans la brousse. On était très... un peu des filles sauvages. Hein. Il y avait ça, il y avait ce côté-là. Il y avait un côté très... pas strict, mais enfin quand même régulé. Et puis d'un autre côté, c'était la vie sauvage. Les promenades dans la brousse, c'était le concours à qui reviendrait avec les jambes les plus égratignées, vous voyez. Quand nous étions jeunes, nous avions une espèce de fierté à avoir les jambes très égratignées parce que nous faufilions dans le maquis, en dehors des chemins. Et plus nous étions égratignés, plus ça voulait dire que nous avions bravé braver le maquis. Et alors là, l'odeur du maquis vous imprègne, c'est extraordinaire. Ma mère, tous les soirs, était en grande tenue, en grande robe longue, et mon père, toujours en jaquette, et comme s'ils étaient, alors qu'il n'y avait personne, et les aînés dînaient avec eux. Ma mère avait pris des leçons de chant
Et elle chantait dans les salons. Elle avait une très belle voix de mezzo. Et d'ailleurs, tous les soirs, une des institutrices devait connaître le piano. Et cette institutrice l'accompagnait au piano et mon père l'écoutait en fumant son cigare. Pour les petits, maman se mettait souvent au piano, nous faisait chanter des chansons d'enfants françaises ou anglaises. Et donc papa était là aussi. Enfin, c'était vraiment la vie de famille. Mon père, le matin, allait souvent à la pêche et il venait quelquefois nous retrouver ou à la plage d'Argent. Et là, j'ai un souvenir très précis de la leçon de pêche de mon père, quand je devais avoir 6 ans, quoi, quelque chose comme ça, auprès d'un étang qui est là-bas de l'autre côté. C'est très bien, une espèce de leçon de silence, il fallait ne rien dire, il fallait être très patient, une leçon de patience et de silence. On se parlait à voix basse, comme ça. Ça, j'ai un souvenir très, très, très précis de ça. C'est un souvenir, si vous voulez, de contact très personnel avec mon père. Mes parents donnaient beaucoup de fêtes quand il y avait une naissance et c'était des grandes fêtes pour tout le village. Il y avait des jeux, il y avait de danse dans le sac, ou bien on mettait des œufs dans des cuillères et il fallait mettre cette cuillère dans la bouche et on faisait des courses. Enfin, c'était toutes sortes de jeux qui animaient beaucoup le village. Là, c'est le château de Saint-Pré que mon père avait acheté en 1927. Il n'y avait pas assez de fourrage. Porquerolles, on pouvait faire pousser tout ce qu'on voulait, mais on ne pouvait pas faire sur l'âge. Et donc, comme je vous avais dit, il y avait beaucoup de chevaux, il y avait les vaches, et il fallait beaucoup de fourrage. Et Saint-Pré, comme le pré, son nom indique, c'est qu'il y avait des prés. J'ai le souvenir de savoir que j'ai été née, que je suis née à Saint-Pré. Voilà. C'est un endroit que les aînés n'aimaient pas. Il n'y avait que Mireille et moi qui aimions Saint-Pré. Cet immense caravansérail. Mais pour des enfants, c'était merveilleux. Les toits de Saint-Pré. Il y avait une des tours, je me souviens, on arrivait par le toit dans une des tours, il y avait un grand duc blanc qui m'attendait là. Et toujours cette recherche de faire quelque chose, réaliser quelque chose, et avec des humains. Donc il a travaillé sur la terre au Canada, il a travaillé sous la terre au Mexique, il a travaillé et ici, il a retravaillé sur la terre. Il savait toujours l'organisation impeccable. Regarder, observer, étudier et réaliser. Mon Porquerolles, c'était son achèvement, c'était sa réalisation. Tout ce qu'il avait entrepris, tenté, par exemple, esquissé à l'organisador au Mexique, il l'a réalisé dans un endroit précis, clos, qui était Porquerolles. François-Joseph Fournier tombe malade pendant le réveillon de Noël 1934 au château de Saint-Pré. Rentré à Porquerolles, il s'éteint à l'âge de 78 ans, le 11 janvier 1935. C'est peut-être à ce moment-là que les gens ont commencé à se rendre compte de ce qu'ils perdaient. Les conflits familiaux ont commencé. Des luttes d'influence, les ceci, les cela, les caractères. Les caractères, si vous voulez, au fond, c'est vrai. Papa, c'était le solide, c'était le raisonnable. Et alors après, vous pensez bien qu'avec toutes les origines différentes, même moi, quand je me dispute avec moi-même, je lui dis, c'est tous mes sangs qui se bagarrent. Alors maintenant, on s'arrête et c'est le sang belge qui reprend le dessus. Monita a eu un rôle très important à ce moment-là. Elle a repris toute l'exploitation. Il y avait les bateaux, il y avait l'usine électrique, il y avait les orangers, il y avait le maraîcher. C'était pas commode de mener tout ça, mais c'était organisé, si vous voulez. Donc elle a continué et elle a voulu beaucoup s'occuper de la...
de la cave aussi. Vraiment, elle a fait beaucoup. Et puis, bon, mais ma mère, à ce moment-là, avait déjà la société hôtelière. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est beaucoup plus occupée des hôtels. C'était le début du tourisme dans le midi de la France. Et le tourisme a pris alors beaucoup d'importance à Porquerolles. Je repense souvent à cette petite clé qu'il portait toujours sur lui. La clé qui n'ouvrit jamais depuis aucune porte, scellant le secret de cet homme qui s'est si peu livré. Que reste-t-il de la vie d'un homme après sa vie? Ses voyages, ses trois femmes, ses sept enfants, ses domaines du Mexique et de la Méditerranée? Toutes ces choses accomplies au nom de quelle utopie? Toute une vie pour une île? L'île en ultime clé de voûte d'une aventure dont les deux piliers seraient l'Europe et le Nouveau Monde? Où est le pont entre la mine et l'île? Serait-ce-nous, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants? Si j'ôte de ma pensée le mythe Fournier, que reste-t-il? Le vrai domaine, je crois, celui de l'histoire elle-même, l'histoire de mon grand-père.